perfection, aujourd'hui je suis le Joker de Suicide Squad. C'est parti! Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, car ça va faire vraiment, vraiment mal. Really, really bad. J'ai réalisé ce make-up l'année dernière. C'est pour cela que c'est le Joker de Jared Leto et non pas de Joaquin Phoenix. En fait, j'ai un Joker de retard. J'ai profité que mes cheveux soient verdâtres décolorés pour faire ce make-up. Ce n'est pas tout à fait la bonne couleur, mais Photoshop sera là pour corriger cela sur les photos. On passe au fond de teint, je le dépose en petites touches sur tout mon visage. Et je viens l'appliquer au Beauty Blender pour bien le fondre. C'est un fond de teint assez couvrant qui se fond plutôt bien. Ce Joker a un teint plutôt pâle et surtout parfait. Donc une petite touche de correcteur s'impose sur les points sensibles tels que mes poches de vieille. On n'oublie pas d'ouvrir la bouche pour avoir le style du poisson, les yeux, on aura ainsi une belle base de make-up, et les petites imperfections éventuelles. Puis c'est reparti pour un floutage digne de ce nom. Comme tout bon make-up qui se respecte, on va se faire un contouring. Un peu particulier celui-là, puisqu'on va accentuer les traits cadavériques. Le visage de Jared Leto est exagérément squelettique. Ou alors, il est de nature très très maigre. J'accentue un peu plus les traits au niveau de la mâchoire pour qu'elle soit bien saillante. Et au niveau du front, pour avoir une belle ride du lion. Ça, c'était un lion. J'accentue encore un peu mes rides. Et là, c'est le drame. C'est bon, sauvé. Et je continue patiemment à me rider. J'ai réalisé mes yeux hors caméra. Puis j'appose un peu de rouge sous mes yeux pour me donner un air encore plus vénère. Vous commencez à la connaître, ma fameuse touche d'highlighter. Sur les pommettes, sur le haut des lèvres et sur le petit bout du nez. Ensuite, je mets un peu de collodium sous mon œil pour créer la cicatrice. Je me répète, mais attention avec les produits à fixe. Ils peuvent être irritants et mal utilisés, vous pourriez vous blesser. Puis on balance le rouge à lèvres rouge. J'ai une forme de lèvres assez particulière, mais oui, tout est 100% naturel. Du coup, je prends beaucoup de temps pour réaliser mon contour. En plus, je dépasse un peu sur les commissures de mes lèvres pour réaliser le fameux sourire de Joker. American. Ensuite, je remplis le tout, ce qui me permettra une meilleure tenue de mon rouge à lèvres. Et avec un fard à paupières noires, je réalise une ombre pour donner plus de profondeur à ma bouche. Le secret d'un bel ombre ellipse est de bien faire fondre les couleurs entre elles. Là, j'accentue un peu plus le noir pour donner un aspect plus Joker. Ça me fait vraiment des lèvres de badass. Énorme! Je finis avec mon rouge à lèvres pour faire un beau dégradé. Je garde le même rouge à lèvres pour accentuer ma cicatrice. Comme ça, pas besoin d'avoir 36 milliards de produits. Puis je passe au tatouage. Alors là, je suis en pleine interrogation. Car si je fais mes cicatrices à l'endroit, elles seront à l'envers avec le retour caméra. Mais faut avouer que c'est hyper chaud de réaliser des cicatrices à l'envers, surtout écrire des lettres à l'envers. Du coup, j'ai décidé de les faire hors caméra pour ne pas me tromper. Et évidemment, je me suis trompée. Mais voici le résultat. J'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Partage mon petit joker au féminin. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!